Donc, bonjour mon chéri. Bonjour Hanoun. Donc j'imagine que tout le monde suit l'actualité en ce moment. Oui. Voilà. Il y a quelqu'un qui est en train de défier la chronique, qui est en train de gagner beaucoup de votes au niveau des sondages. Oui. Un garçon Vous pouvez préciser 15%. S'il vous plaît, monsieur Zemmour. 15%. Non, il faut le respect Un garçon que l'on aime ou que l'on n'aime pas, mais qui fait parler. Voilà. On attend toujours de savoir s'il va se prononcer, Se déclarer candidat. Voilà, se Et ça ne va pas tarder. Mais monsieur, apparemment, mon chéri, tu choisis ton moment, c'est ça? Je vais choisir mon moment. Et aujourd'hui, c'est une raison de plus. Quand Pardon, je vois il ça. N'y a que lui, pas Monsieur, monsieur. Bon. C'est une raison de plus. Monsieur. Quand je vois ça. Monsieur Smoul. Donc j'ai invité Victor. Victor qui est. Victor, tu sais ce que je pense de toi. Merci. Voilà, toi là. Merci. Mon Victor. Merci. Des années maintenant qu'on travaille ensemble. Cyril. Mais là, ouais. Je regarde la cravate, moi le papillon, t'as fait une erreur. Je vois qu'il y a du favoritisme. Non, tu manques pas de toi. Pas du tout, mais. Enfin, mes chéris, mon Dieu, mon Dieu, s'il vous plaît. Quel spectacle. Mes chéris, on est mais là. Je ne saviez pas que vous présentiez l'émission Terre et Colis. C'est du Koh-Lanta pur, là. Hein? Bon, on y reviendra plus tard, on n'est pas là pour parler de ça. Ça ne te regarde pas ce qu'il présente. Il fait moque, monsieur? Non, ça va. Ah, Victor. Ça va. Donc aujourd'hui, on va faire un débat. Je veux que les temps de parole soient respectés. Oui, parce qu'on respecte. Ah, aussi... nous le respectons, on aime trop, nous. On respecte aussi non, les Français. Oui. Cyril. Voilà. Regarde tout ce qu'on a à dire, hein. C'est super, voilà. Monsieur Allez. Zemmour, il est là pour répondre à vos questions, il est là pour défier la chronique comme il fait toujours. Oui. Donc, on va commencer par donner la parole à Monsieur Zemmour. Monsieur Zemmour, une question. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pour que vous lui répondiez. Pareil, papa, il manque de temps de parole. Voilà, quoi qu'il arrive, je gère le temps de parole. Allez, vas-y, monsieur. Monsieur Zemmour, voilà, je vais vous poser une question. Pourquoi en préambule, on va arrêter ça, monsieur Hanouna. Hein. Bon, je vais vous laisser quand même me poser la question, allez-y. Voilà. La question que tous les Français se posent, les Français, les Françaises, quand allez-vous... C'est d'une grande souffrance d'être là, face à... Je comprends, je comprends, Eric. Mais, une question. Qu'attendez-vous pour enfin vous prononcer et déclarer votre candidature à tous les Français? La raison. Bah écoutez, ça ne me regarde qu'à moi. Quand le temps sera venu, je le ferai. Il va pas venir le temps. Il va pas venir le temps, je vais te dire quelque chose. Est-ce que ce monsieur a le droit de me parler directement? Monsieur Zemmour. Oui, on est là pour débattre. On est là pour débattre, monsieur. On est là pour débattre. Moi, je veux dire, monsieur, pourquoi depuis qu'on parle beaucoup de toi, toi, tu es comme une maladie incurable, dégueulasse. Pourquoi Monsieur Zemmour, je ne suis pas là pour être insulté. Oui, non, papa, je ne suis pas là pour être insulté. Pardon. Encore un gros mot, c'est tout. Ouais. Toi, comme tu es dégueulasse, tu es comme la maladie. C'est vrai, mec, c'est bon. Tu es comme la maladie, je vais te dire quelque chose. En ce moment, on n'entend plus parler du Covid à la télé. Tout le monde parle que de toi. Que de toi. Toi et la maladie, c'est pareil. Des êtres dégoûtants. Vas-y. Et vous êtes des maladies incurables. La maladie, le Covid, il a trouvé le vaccin. Toi, elle n'a rien trouvé pour toi et Marine. C'est vrai. Vas-y. Alors, vous savez, écoute, monsieur, ce genre de. Excuse-moi, tu de permets débat. Mon Dieu. Mon Dieu. Je t'ai apporté l'Elben. Non, papa. Je t'ai apporté l'Elben, mon fils. La boisson préférée. On est avec nous deux catégories sociales différentes. Alors, excusez-moi, je vais quand même m'exprimer. À quel peuple vous adressez-vous? Au peuple français. Hein? Le vrai peuple français. Les Richard, les Benoît, les Jean-Luc, les Jean-François. Hein? Au vrai peuple français. Donc, vous savez, la France est indivisible, cher monsieur. Victor, donc Je ne crois pas, non. Moi, je m'appelle Victor Perregaux. Vous savez, quand j'ai décidé de rentrer un petit peu plus dans la politique, sans y entrer, vous avez raison, c'est grâce à des gens comme ça. Vous voyez, grâce à des gens comme ça. C'est pour ça que l'aime mon chéri, c'est un garçon entier. Il ne fait jamais semblant, c'est. Alhamdoulilah, c'est grâce à des gens comme ça. C'est grâce à des gens comme ça que je rentre en politique. Que je vais rentrer en politique, que je vais me présenter aux élections et que je vais chasser. Je vous le dis, le mot est fort.
Mais je le dis. Mais on n'en sait pas plus sur votre programme. Chasser. Donc vous parlez tout le temps d'immigration. Vous dites tout le temps que vous voulez chasser ces bougnoules. C'est le terme que vous employez. Non, je n'ai jamais employé ce terme. Hein, même si il transpire dans mes propos. Mais je ne l'ai jamais employé ce terme. T'as dit les immigrés. Donc monsieur Zemmour, vous comptez faire comment? Je vous demande. D'abord, j'avais entendu. Vous savez, c'est comme le vaccin. S'il change le nom, c'est un vaccin, le nom. S'il change de nom, eh ben, je peux vous le dire. Je peux rester. Je l'ai considéré comme français. D'accord. Monsieur, je peux te poser une question, s'il te plaît? Louis, oui, là. C'est qu'en est-il, là? Monsieur, la loi de Bonaparte. Attends, monsieur, oui. La loi de Bonaparte, de 1805. Ah non, c'est 1803. C'est 1805, 1805. 1803, l'année de vous disputer. 1803, l'ailleurs. Non, 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 pas. T'as raison, papa. Je demande à Régis, s'il vous plaît. C'est 1803, je précise. À Régis, s'il vous plaît, veuillez faire votre boulot. Voilà. J'ai une question. Attends, c'est 1803 ou pas? Je crois qu'ils se sont endormis en régie. Ouais, zut. Pourquoi 1803, 1803, c'est confirmé. Non, si on a été à l'école, monsieur. Eh oui, Zemmour. Applaudissez, regarde le public, il applaudit nous. 1, 2, 3. Merci. 1-0, ballon au centre. Aïe. Allez, allez, parle. Tu crois? Donc, cette loi... Tu as affaire à des demeurés. Bon. Ça ne change rien, hein. 1803, 1805, on ne va pas commencer à chipoter. Je prends des notes. Oui. Pardon. 1803, monsieur, on me le confirme. Oui, oui, oui. Très bien. On n'est pas à 3 ans près. Non, mais le débat, là, il ne peut pas avancer. Il faut qu'on... Hein... Non, mais votre solution, monsieur. La solution. Bon, votre solution, à un moment, vous parliez de prendre des bateaux, de les remplir d'immigrés, d'attendre qu'ils soient bien loin et de les couler. J'ai pu partir en non, avion. Non, je n'ai jamais dit ça. Même si... J'en rêve de temps en temps. Le rêve et le luxe du pauvre. Il est trop fin, oui. Hein. Oh. Bélarwell, je t'ai vu tout petit. Oui, oui, Bélarwell. Je pose une question maintenant, monsieur. Hein? Monsieur, je voulais te demander cette qualité, cette chose-là, voilà. Le ressemblance de fils de Chopranette. Qui va voter pour toi. Qui va voter pour toi. Dégueulasse. Ah, ça vote, ça? Est-ce que ouais, ça monsieur, Louis, monsieur. Bélarwell est, parce que là, je me mets. Louis. Non, comment Bélarwell est un citoyen français. Bélarwell a une carte d'identité française. La famille Tirigou s'est battue pour la France. Et touche la couturette. La famille Tirigou. Et touche la couturette. C'est vrai, en plus, il touche, c'est un mongolien. Ouais, oui. Donc, heureusement qu'il y a la France, hein, monsieur. Alors, au moins, hein, vous pourriez prendre des noms français. Au moins, ne serait-ce que pour ça. Est-ce qu'il faut aller à l'église aussi? Ce n'est pas obligé. Hein. Il y a la séparation de la religion et de l'État, de la République. Donc, on ne va pas tout mélanger. La laïcité. Ça, c'est les accords de Contrex ou la Vittel, je ne sais plus. Non, c'est les accords des viandes, mais ça n'a rien à voir, monsieur, et ce n'est pas le sujet. C'est vrai que ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Le sujet, vous voulez, alors, avant de venir sur le plateau, parce qu'on s'est longtemps parlé au téléphone. Oui, monsieur. Oui, mon petit chéri, on s'est parlé au téléphone. Oui, Hanoun. Et tu sais comme je t'apprécie, moi. C'est réciproque, on a mangé les mêmes boulettes. Les mêmes boulettes et les mêmes macrodes. Moi et Victor, donc on s'est eu longuement au téléphone. Oui. Et il y a un problème qui te gênait. Tu voulais demander à Eric ce qu'il comptait faire. Alors, ça sera monsieur Hanouna, hein, ce qui vous concerne. Ok. Merci. Monsieur Zemmour, si ça vous dérange, je vous ai invité, je vous ai bien fait plaisir. Mets-le dehors! Mets-le dehors! Non, parce que monsieur non, Zemmour, on n'est pas raciste! Non, on n'est pas raciste! Non, si je vous emmerde, monsieur Zemmour! Hanon, nous on accepte tout le monde! T'énerves pas toi, par un petit concre comme ça! Non, monsieur, des prénoms! Ouais, tu m'écoutes? Je vais te dire deux mots, s'il te plaît, monsieur! Moi, je voudrais savoir si par exemple, toi, tu deviens président! Oui! Regarde, les petits réfléchis, hein! Ne crois pas que dans tout ça, il n'y a rien! Il n'y a pas que des cheveux sur la tête. Et très intelligent, Hada. Au centre, il doit apprendre beaucoup de choses. Je voulais savoir. Moi, la vérité, je demande pourquoi moi et toi, on va faire la guerre. C'est pas la peine. Mais monsieur, moi, on est en état de guerre. Excuse-moi, tu la France est notre. Monsieur, tu me laisses finir. Contre l'islam. Monsieur. Hein, on est attaqué de tous les côtés. Non. Tu vas répondre, monsieur. Moi, je vais dire que nous, les musulmans, nous sommes un peuple de paix, de joie, de gentillesse, d'amour, de générosité et de partage. Et des gorgeurs. Hein? On pourra rajouter ça, c'est pas ton problème. C'est pas grave. Maintenant, je veux te demander, si par exemple tu veux, comme le fils de Chapral et de la dégueulasse qui veut voter pour toi, que je vote pour toi. Moi aussi, je vote pour toi. Parce que moi, j'ai beaucoup de monde que je peux t'amener, qu'ils me suivent. Non, mais alors, vous savez quoi? On va se passer de votre monde.
Mais attends, laisse-moi, j'ai fini. Laisse-moi, j'ai fini. Moi, je te demande juste un truc. Je veux plus qu'il n'y ait que la prime de Noël. Puisqu'il y a l'égalité. L'égalité, c'est pour tout. Pas que la prime de Noël. Je veux... Tu as compris, toi. Je veux la prime... Je veux la prime de Noël. Je veux la prime de l'Eid Sereb. Quand on fait les gâteaux après le Ramadan, parce que les amandes, ça coûte cher. Ouais. Je veux la prime de l'Eid Kbir. Pour quand tu le mouton, tu as vu? Non. On achète le gros mouton, on le tue, on fait le couscous et on donne à tous les voisins les Français qui nous aiment trop. On les garde dans la baignoire. Dans la baignoire. On doit répondre à ça, monsieur Zemmour. On y revient hein, sur l'égorgement. Ouais, mais oui, tu vois. Mouton. Nous, on égorge les enfants. On égorge les moutons. Ah, pas les enfants. On les prend dans les, hein, derrière les murs. Monsieur Zemmour, j'aimerais donner la parole à Belaouen. Oui. Savoir ce qu'il en pense. Oui. Voilà, j'aimerais savoir l'avis de Belaouen, parce que Victor est venu avec son fils. Son fils qui est issu d'une autre génération. Oui. Ça serait bien d'avoir le mélange des générations, oui, et de savoir ce que chacun pense. Il est jeune. Il est jeune, mais il est cultivé. Oui, très. Belaouen. Ça se voit, on le regarde. Très. Ça transpire la culture. Hein. Tu as écrit tout ça, hein? Inch'Allah. Parce qu'il aime beaucoup lire. Il lit des grands livres. Lui, à chaque fois que je le vois dans une émission, il dit des noms de... Il voit dans la librairie comme ça, il dit les noms des Victor Hugo. Des auteurs, Victor Hugo, Freud, Napoléon. Non, Mahmoud, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Tu ne nous choques pas avec ça. Lui aussi, il lit. Sors, Louis. Vomis tout ce que tu as dans la tête. Monsieur Zemmour, présentement, vous êtes un poulpléniste. On dit polémiste. Non, oui. C'est pareil. C'est un poulpléniste que vous faites beaucoup de polémiques. Voilà. Et nous, on en a marre c'est de la polémique. S'il vous plaît, j'y parle. Tu parles au moins, tu es bien élevé, tu ne coupes pas la parole. C'est ça le respect, monsieur. Monsieur, le respect, c'est d'écouter les autres. Oui. Alors, j'y suis venu. Parle de la côte au répit, l'augmente. Inch'Allah que tu l'augmentes. Voilà. Mais je ne suis pas venu pour parler de la côte au rep. Et de quoi? Je suis venu, s'il te plaît, Cyril. Moi, j'ai le droit d'y parler. J'ai ramené mes notes. Ça, c'est la Provence de Marseille. Qu'il a enregistré. Je ne l'ai pas appris par cœur, papa. Tiens, je t'ai dit apprends par cœur. Hein, tu m'as fait rentrer avec le journal. Monsieur le poulplémiste, dans votre livre... Il faut enlever cela. Vous avez dit... Tu sais lire ça? Ça, c'est lire ça? Oui, mais parce qu'il... Éric Zemmour écrit notamment que les femmes sont le but et le butin de tout homme doué qui aspire à grimper dans la société et que l'ancien ministre Strauss-Kahn menotté, c'est une castration. C'est des propos avec la main. Est-ce que ça, c'est pas de la polémique? Tu t'énerves pas. C'est vrai. S'il vous plaît, Cyril. Est-ce que ça, c'est pas... comment elle a dit qu'on était, nous? Dégoulasse, non? Non, ça c'est... J'espère que ça mord pas, ça. Non, je mords pas. Mais est-ce que ça, c'est pas de l'intégrisme? Oui. De critiquer alors, les femmes, d'être homophobe. Et puis, dis-le. Mais laissez. Non, il lui dit qu'un nom, après chaque femme, chaque grande dame. Parce que pour nous. Zemmour, à vous. Attends. La femme est l'avenir de l'homme. Et toi, tu es l'avenir de rien. Ouais. 2-0. Pas beaucoup, mais... On va vers qui va le public, mais quand je les regarde, je comprends un petit peu. Vous comprenez quoi, Non, je me comprends aussi, vous savez. Non, mais développez-les, alors, je vais répondre quand même à cette question qui est sortie de son contexte, bien sûr. Ah, n'ayez pas peur d'avoir une opinion, développez. Voilà. Ici, on est en... Bien sûr que les... démocratie. Que les femmes... On dit pour penser. Les femmes sont l'avenir des hommes, je vous le concède. Et des femmes, bien sûr, de l'humanité. Hein? Mais, il faut le dire, les hommes sont supérieurs aux femmes. Et non, on n'est pas d'accord. Tout le monde l'égalité. Tout le monde l'égalité. Vous voyez, c'est quand vous répondez, ils ne sont pas d'accord avec vous.
que Fanny, la famille Tirigou, qui maintenant n'est plus à présenter, merci, vous montre qu'elle n'est pas d'accord avec vous. Ok. Et vous avez dit, monsieur Cyril Hanouna, que je peux en rajouter une? Oui. Tu peux dire, les femmes ont une forme d'intelligence différente de celle des hommes. Mais il a raison, il a raison. Non, attendez, les femmes sont plus intelligentes. Qu'avez-vous à répondre à ces propos misogynes? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, non, ce sont des propos misogynes. Misogynes. Qu'avez-vous à répondre à ces propos? Et monsieur. 3-0. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas. Après, je t'explique, papa. Ce n'est pas toujours vrai. Quand on voit ces deux spécimens, je pense que des femmes sont largement supérieures. Certaines femmes sont largement supérieures à ces deux énergumènes. Oh oui. Je sais pas ce que vous je voulez fais juger là. Sur quoi? Sur leur apparence? Sur leur prénom? On veut savoir. On s'est bien habillé aujourd'hui. On s'est bien habillé. En fait, monsieur Zemmour, j'ai l'impression que dans votre programme, on n'arrive pas à comprendre où vous voulez en venir. Vous voulez en faire quoi, voilà, de Victor, de son fils, qui sont là, qui sont en train de débattre? Je crois que Victor est un nom de scène, si je me trompe. Oui. Vous devriez le prendre pour la vie. Voilà, ça vous va très bien en plus. Non, monsieur. Parce que mon vrai prénom, c'est Bougemara. Eh oui, c'est Bougemara. Et donc, fier des lettres. Donc vous ça veut dire vendredi, Bougemara. C'est le jour saint chez les musulmans que tu n'aimes pas. Donc Belaouel, qui s'appelle Belaouel. Comment tu veux que je m'appelle? Comment tu peux, avec la qualité du cheveu, la matière du lèvre. Ça, c'est Cyril, c'est les coiffeuses de Cyril. À part Chapralette, comment tu veux l'appeler? À part Chapralette. Tu pourrais s'appeler François. François, mais tu français. Tu oui, français. Mais... Honnêtement. François le français. Vous allez dans la rue, vous voyez Belaouel. Il a plus une tête de... Belaouel que de François. Alors, arrivé à un moment, oui, il y aura toujours... Mais Hanouna, je vous donne raison et je vais être honnête avec vous. C'est ton père. Oui. Merci. Vous pouvez changer d'avis, monsieur. Oui, non. Non, partage tout. Vous avez raison. Comment ça, tu vas les redonner? D'abord, c'est du n'importe quoi. Bien sûr que cette espèce d'énergumène n'a aucun droit d'être ici en France. Et voilà, quoi. Donc, on va arrêter le débat là. Okay. Là, on discute pour rien. Victor, mon chéri, donc, au final, voilà, tu vas en venir où? Là, je te vois que tu es en train de noter quelque chose sur tes papiers. Où veux-tu en venir? Là, je prends des notes. Je t'explique, je suis en train de faire le calcul mental, parce que les chiffres, c'est les Arabes qui les ont inventés. Eh oui. 4-0. Tu as rétorqué? Tu m'écoutes? Non, je n'ai plus rien rétorqué, vous savez. Je suis en train... Ça, il y a de la violence, monsieur. Oh, tu gardes là. Frappe pas les petits. Victor. Débola. Ne réponds pas. Il y a l'agresseur. Monsieur l'agresseur, attends, montre pas qu'on est méchant. Non, mais c'est n'importe quoi, là, moi je suis venu, j'ai voulu faire un débat. Moi je t'ai dit, c'est n'importe quoi. Non, je regrette de vous avoir répété déjà. Victor, tu m'avais promis que ça allait bien se passer. Mais oui, il nous frappe et tu me dis, ça vient de se passer. Viens là, dégoulasse. Moi je prends des notes, je fais des calculs pour comme ça. Non, mais c'est. De toute façon, je vous recevrai plus, que ça soit l'un ou l'autre. Nous on est là, on est devant les Français. Le but, c'est que tout le monde puisse être ensemble. Nous on est amis. Nous on est amis. Oui, on est amis, mais je voilà. Te recevrai moi, plus. Moi là, tu m'as dit, tu prends des notes. Non. Tu prends des notes, je fais le calcul entre l'après-midi de Noël et l'après-midi de. Et comme il va rentrer, c'est tout. C'est tout. Il a quoi là? Voilà. Mais Louis, je l'attrape. J'ai Louis, montre, il frappe les petits, fond des France. Dégoulasse.